On n'a plus beaucoup de temps parce qu'après tout ce qui s'est passé, vous comprendrez qu'on ne puisse pas parler longtemps. Moi, je n'avais pas prévu de toute façon de vous faire un long document. J'ai fait un document qui est disponible par écrit. Un document qui est disponible par écrit. Je voulais simplement partager avec vous quelques éléments sur l'évolution du Parlement depuis qu'il a été mis en place. S'il vous plaît. Donc je voudrais partager avec vous quelques idées sur le Parlement depuis que nous l'avons mis en place. Je ne suis pas le seul, il y a un certain nombre ici qui sont là dans la salle. Je ne peux pas les citer tous. Lorsque nous avons lancé ce Parlement, ceux qui étaient à la première session, c'est-à-dire à la session d'installation du Parlement en novembre 2000, il y a Cicelo qui est là, Chief Mao qui est là et qui a été longtemps notre questeur. Oui, il a été le questeur. C'est le président de la commission des finances. Nous avons notre collègue du Cap Vert, notre collègue, je ne retiens pas tous les noms bien sûr, de la Guinée-Bissau, qui était là également. Donc nous sommes plusieurs qui étions là au début de la mise en place du Parlement. Donc c'est un peu ce que je voudrais vous retracer très rapidement. Alors, le Parlement de la CEDEAO est une institution unique en son genre. Elle est unique parce que lorsque le processus d'intégration, déjà de coopération régionale, a commencé en Afrique de l'Ouest, les premières projections datent de 1963-1964. Et à l'époque, l'idée, c'était d'aboutir à un plan d'industrialisation de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième étape importante à cette époque, et ça c'est avant donc la création du Parlement, c'est en 1968, à Conakry, la première conférence des chefs d'État de tous les pays d'Afrique de l'Ouest sans tenir compte du fait qu'on est anglophone, francophone. Les lusophones, je n'en parle pas à cette époque parce que ni la Guinée-Bissau ni le Cap-Vert n'étaient pas encore indépendants. Mais l'idée était qu'on dépasse complètement ces considérations-là. Et c'est comme ça que le sommet a été convoqué à Conakry en avril de 1968. Ce n'est qu'après ça que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Sur l'initiative du Togo et du Nigeria. Il y a vraiment deux pays qui se sont battus au départ, il faut le dire. C'est le Nigeria et le Togo et qui ont permis la mise en place finalement de la CEDEAO. Mais lorsque la CEDEAO a été créée, dans le traité, si vous lisez le traité de mai 1975, vous verrez qu'il n'est pas question du Parlement là-dedans. Cela est dû au fait qu'au départ, on ne pensait pas à une organisation d'intégration, on pensait à une organisation de coopération régionale. Donc, il a fallu un certain temps pour que progressivement, une quinzaine d'années après, est venue cette idée que finalement, si on évalue le processus de coopération régionale, on pourrait le transformer en un processus d'intégration régionale. Et c'est à ce moment-là que l'idée est née, qu'on pouvait modifier le traité de manière à ce que l'on crée un organe parlementaire. Et cet organe parlementaire allait être le Parlement de la CEDEAO. La commission Gohan qui a travaillé beaucoup sur la question à l'époque, c'est la commission Gohan qui a vraiment
consolider cette idée selon laquelle il fallait intégrer la dimension parlementaire à la CEDEAO, c'est-à-dire à l'ordonnancement organique. Or, dès lors que vous intégrez un parlement, automatiquement vous vous trouvez dans un organisme d'intégration, ça ne peut plus être un organisme de simple coopération régionale. Et c'est comme ça que le Parlement a été créé et que le traité a été révisé. Et en août 1994, le Parlement a été créé. Le Parlement a été créé en août 1994, mais il a fallu 5 ans après ça pour qu'on puisse véritablement l'installer. Ça n'a pas été très facile. Il faut dire ici que le rôle du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président du Mali, Alpha Conaré, son rôle a été important. Pour ceux qui connaissent Alpha Conaré, vous savez, c'est quelqu'un qui est très chaud partisan du panafricanisme. Mais justement, il est tellement chaud qu'il a précipité les choses. Il a précipité les choses et c'est comme ça qu'on nous a convoqués une première fois en novembre 2000 pour installer le Parlement. Mais avant ça, tous les présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Accra d'abord, du 3 au 5 mai 1999, ensuite à Ouagadougou, en mars 2000. Et c'est une résolution de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle la CEPAO, laquelle conférence existe toujours. Et bien c'est cette conférence qui a précipité la personne en prenant une résolution recommandant à tous les chefs d'État de faire en sorte qu'on ne dépasse pas l'année 2000 sans avoir mis en place le Parlement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le président Conaré a vraiment récupéré cette dynamique-là et il était en bonne position pour le faire. Il a convoqué les députés pour la première fois. On a demandé aux différents pays de désigner les parlementaires, on nous a désignés. Et nous nous sommes trouvés à Bamako en novembre, d'abord dans un premier temps, en début novembre, et le quorum n'était pas atteint. Comme le quorum n'était pas atteint, on a reporté la mise en place du Parlement. Nous pensions qu'on passerait 2 ou 3 mois pour bien faire les choses, mais le président Conaré était tellement enthousiaste que 2 semaines après, il nous a encore convoqués. Donc on s'est retrouvés à Bamako et c'est là que nous avons tous prononcé le serment et que 2 discours importants ont été prononcés. Le discours du président Conaré, le discours du président Eyadema, je vous rappelle, que le Togo était l'un des initiateurs, avec le Nigeria, de la CEDEAO. Et c'est à partir de ce moment que le Parlement a commencé à fonctionner. Mais il n'a pas vraiment commencé à fonctionner. On a immédiatement convoqué une session inaugurale, la véritable session, pour mettre en place les structures du Parlement. La session spéciale s'est tenue à Abuja au mois de janvier 2001 et c'est là que nous avons élu le professeur Ali Noun Diallo du Mali comme président de la conférence, du Parlement. C'est également là que tout le règlement intérieur a été adopté. Les commissions ont été mises en place et c'est l'étape de la première structuration du Parlement. Et comme je vous ai dit, à cette fameuse session, qu'en droit parlementaire on appelle session spéciale, mais qui dans le droit communautaire ici nous appelons souvent session inaugurale,
Il y avait Cicello, j'ai retrouvé quelques noms que j'avais écrits. Il y avait moi-même, il y avait Orlando Pereira Diaz. Il y avait Philomena Marquis. Hein? Ah ouais, quelque chose comme ça en tout cas. Et il y avait Chief Mao, bien donc je me souviens bien. Il y a c'est Douat, non? Douat qui s'est passé là. Mais en tout cas, on était un certain nombre qui se trouve encore à cette session ici. Et c'est ce que j'appelle dans mes documents les anciens combattants du Parlement. Hein, ce sont ces gens qui ont vraiment tout fait au début pour asseoir ce qui est le Parlement. Alors, l'ambiance, c'est laquelle? C'est que nous avions trois cultures parlementaires. Ben, il y a deux qui fonctionnaient à l'époque. Une culture parlementaire qui a la tradition de Westminster, chez les anglophones, et la culture parlementaire française, qui est la culture du Palais Bourbon. On avait les deux modèles. Il a fallu donc qu'on s'entende pour mettre en place une structure qui ne soit ni francophone ni anglophone, et je pense qu'on a réussi pas mal. Et c'est la première fois que des hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest s'asseyaient en si grand nombre, sans représenter les gouvernements, mais les peuples. C'est la première fois que cela se passait. Et là, il faut reconnaître que c'est une véritable mutation, même dans les mentalités que nous avons. Et moi, j'estime que la création d'un personnel politique qui ne s'identifie pas aux États, eh bien, c'est là que ça a commencé. Et l'étape suivante, que ça a été la première phase de fonctionnement du Parlement. Je vais essayer d'aller vite. La structure ayant été mise en place, immédiatement le Parlement a commencé à prendre en considération les grandes thématiques de l'intégration. En regardant ce qu'il y a dans le traité de la CEDEAO et en regardant ce qu'il y a dans le protocole relatif au Parlement, avec certaines questions qui sont très vite, qui ont été considérées très vite comme essentielles par les parlementaires, c'est la libre circulation des personnes et des biens, ce qui a donné lieu à un premier séminaire à Lomé pour que nous allions visiter les tracasseries aux frontières entre le Togo et le Ghana, et le Togo et le Bénin et le Nigeria. C'était très bien à l'époque comme ça. Mais surtout, ce que je voulais souligner pour ce début-là, eh bien, c'est l'idée selon laquelle les parlementaires ont été surpris et frustrés au début parce qu'ils ont découvert qu'en vérité, le Parlement n'avait pas le pouvoir. On avait un Parlement qui n'avait qu'un statut consultatif. Et ça n'a pas été très bien accepté par les parlementaires, de manière quasi unanime. Et bien, l'une des premières revendications du Parlement, ça a été il faut renforcer les prérogatives du Parlement. Et tout le combat du Parlement, pendant des années et des années, ça a été d'aboutir à ce que le Parlement n'ait pas que des attributions de nature consultative. C'est comme ça, en tout cas, que le Parlement a fonctionné. Et une fois que cette idée est née, le Parlement a mis en place une commission mixte, une commission conjointe, avec plusieurs commissions. Et ces commissions devaient travailler ensemble pour proposer quelque chose au Parlement, de manière à ce que le Parlement présente cela au secrétariat exécutif. À l'époque, il n'y avait pas la commission de la CEDEAO, il y avait le secrétariat exécutif de la CEDEAO. Le nom commission de la CEDEAO a été introduit uniquement en juin 2006. Il existait déjà à l'UEMOA, c'est à l'UEMOA qu'on a emprunté l'expression commission. Sinon, c'était le secrétariat exécutif. C'est donc au secrétariat exécutif que notre Parlement a transmis le mémorandum dans lequel il réclamait de quitter le stade du statut consultatif pour devenir
pour avoir être un parlement au moins qui puisse donner des avis et des avis jusqu'à l'avis conforme. Et ne pas se limiter à de simples avis. Et ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que la conférence des chefs d'État s'est réunie du 20 au 21 décembre 2001 à Dakar. Et c'est là que la conférence des chefs d'État, pour la première fois, a demandé au secrétariat exécutif, je cite, d'entreprendre une étude sur le Parlement de la communauté afin de renforcer ses prérogatives. Voilà le point qui a été le point de départ de toute la dynamique par la suite. Autrement, tout ce qui s'est passé après, on peut dire dans l'ensemble que cela, tant qu'il n'y avait pas cette décision de la conférence des chefs d'État, on n'aurait pas pu augmenter les prérogatives. Et le Parlement a fonctionné comme ça pendant cette première législature, avec le professeur Ali Nour Diallo, et puis il y a eu la fameuse crise. Beaucoup ne le savent peut-être pas, parce que le Parlement fonctionne de manière très tranquille actuellement. Mais on a connu une crise extrêmement difficile, et nombre de ceux qui étaient là avec moi à l'époque et qui ont contribué à écrire le premier règlement intérieur, c'est nous qui l'avons écrit. Et on a été. La crise est venue comment? Il faut dire que la crise était latente. Parce que d'une part, le Parlement demandait à ce que ses prérogatives soient renforcées. D'autre part, le secrétariat exécutif estimait. Il avait dit qu'on ne peut donner de véritables prérogatives au Parlement tant que les députés ne seraient pas élus au suffrage universel direct. Alors c'est ça qui a amené la première grande difficulté entre le Parlement et le secrétariat exécutif. Cette question est revenue à plusieurs reprises et il faut reconnaître que le secrétariat a empêché toute évolution sur la question avec cette idée que si on veut donner des véritables attributions au Parlement, il faut que les députés soient élus au suffrage universel. Et comme on était en fin de législature, on a eu deux lectures de qui devait gérer la fin de la législature. Est-ce que c'est le président du Parlement ou bien est-ce que c'est le secrétaire exécutif? Autrement dit, qui devait informer les parlements nationaux que la législature est finie et que les parlements doivent désigner de nouveaux membres? Le secrétaire exécutif, qui était Ibn Chambas à l'époque, estimait que c'est lui qui devait le faire. Le président Ali Nour Diallo estimait que c'est lui qui devait le faire. Avec deux légitimités qui sont différentes. Vous avez une légitimité parlementaire qui se comprend très bien. C'était la lecture que Diallo nous faisait, que le Parlement faisait de la situation. Et puis vous avez une légitimité de nature exécutive qui était celle d'Ibn Chambas. Et on peut le comprendre, puisque de toute façon, c'est le secrétaire exécutif qui nous avait convoqué.